Et certaines personnes se font avoir et se réveillent à la fin du Ramadan parce qu'ils n'ont pas mis ici un programme en place. Alors je prendrai la parole du prophète Ali afdalus salati wa taslim pour vous donner ici ensuite trois conseils très brefs à moi ainsi qu'à vous. Le prophète Ali salam nous a rappelé que ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qal. Les œuvres les plus aimées auprès de Dieu sont celles qui sont régulières, constantes, même si elles sont minimes. Premier des conseils à Abdallah. Je dirais ici à mon âme avant tout ainsi qu'à mes frères et sœurs, prenez conscience que c'est peut-être votre dernier Ramadan. C'est peut-être votre dernier Ramadan. Et combien de gens ont jeûné avec nous l'année dernière et aujourd'hui, ils ne sont pas sur la surface de la terre mais sous la terre. Et ils rêveraient wa rabbil Ka'ba, qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur accorde un délai, ne serait-ce qu'un mois, que ce mois-ci ou qu'un jour, pour profiter d'une journée de Ramadan. Parce qu'ils savent très bien ici que ce que ils ont amassé comme bien pendant Ramadan n'a rien à voir avec le bien qu'ils ont pu amasser en dehors du Ramadan. Ils voient avec l'œil de la certitude. Ils sont dans la première demeure parmi les demeures de l'au-delà, al-qabr, sunduqul amal, la tombe. Ici, le caisson des œuvres. C'est pour cela qu'il faut se dire et prendre conscience que chaque minute qui passe est un trésor pendant Ramadan. Et si tu n'as pas saisi ce trésor, sache que ce trésor-là, ces minutes-là, ces heures-là, ne reviendront pas l'année prochaine. Ça sera des nouvelles heures. Encore faut-il que tu sois encore vivant. Mais même si tu es vivant, c'est des nouvelles heures. Mais ce temps qui part, tu ne le récupéreras pas. C'est un temps qui est parti. Donc profite au maximum du mois du Ramadan en prenant conscience que chaque minute est un trésor pendant le mois du Ramadan et la récompense est multipliée pendant le mois du Ramadan. Donc accueillez avec al-farah, avec al-surur, avec la joie. Ce mois du Ramadan, ce n'est pas une corvée. Mais c'est un honneur et une opportunité de jeûner le mois du Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan.